Bonjour, bienvenue à ce rendez-vous quotidien des deuxièmes trophées de l'édition. Contexte sanitaire oblige, Livre Hebdo vous dévoile son palmarès 2020 intégralement en ligne. Chaque jour, une vidéo, et ce jusqu'au 7 décembre. Mais on vous a gardé le meilleur pour la fin, puisque le 8 décembre, nous serons en direct pour vous présenter les trois lauréats du prix du public. Aujourd'hui, je vous dévoile un nouveau prix, celui de l'adaptation du livre. On ne compte plus sur les écrans le nombre de films et de séries adaptés de livres. Nous avons voulu récompenser une session audiovisuelle particulièrement réussie. Et le tout premier lauréat de ce prix de l'adaptation est les éditions Julliard pour le film d'animation Les Hirondelles de Kaboul. Découvrons-le en images. Merci beaucoup pour ce trophée d'adaptation pour Les Hirondelles de Kaboul. On est très heureux. Les Hirondelles de Kaboul, c'est un roman bouleversant de Yasmina Kadra qui a été publié en 2002 aux éditions Julliard. 600 000 exemplaires de vente, un grand succès, 29 pays de traduction, un roman magnifique avec deux couples dont les destins s'entrecroisent dans un Afghanistan en proie aux talibans. Une adaptation qui a été faite, qui a été initiée il y a plus de 10 ans par un studio d'animation, Les Armateurs, à qui on doit notamment Les Triplettes de Belleville, Kirikou ou encore Ernest et Célestine. Donc, c'est un grand studio qui a fait un grand pari et qui a confié ce pari à deux femmes. C'est-à-dire Zabou Bretman et Eléa Gobey-Mevelek, qui a notamment travaillé sur l'adaptation du Chat du Raban. Donc ce choix d'avoir choisi des femmes, parce que le message du livre est profondément humaniste et profondément un hommage aux femmes, et puis ce choix de l'animation qui était très audacieux, puisqu'il y a certains éléments du roman, disait Zabou Bretman, qui pouvaient paraître d'une violence finalement qui aurait été compliquée à tourner en live action. Et l'animation et les aquarelles sublimes viennent plutôt permettre d'approfondir le symbole. Voilà, donc c'est un grand succès critique, un grand succès auprès de la presse, du public, et plusieurs sélections dans beaucoup de festivals, dont le Festival de Cannes, Yasmina Kadra qui a accompagné l'équipe, donc c'est un très grand moment. Donc voilà, merci beaucoup au jury, merci à Livre Hebdo, merci évidemment, on aurait aimé associer Yasmina Kadra et faire la fête tous ensemble, à Vanessa Springora qui dirige et incarne la Maison Julliard, à Delphine de la Pénétrie qui avait vendu les droits il y a plus de 10 ans, donc ça montre bien le cheminement très long pour une animation, et puis à l'équipe de la direction du développement qui travaille avec moi, notamment Julie Gerster, Clément Pelletier, Erwan Skowarnek et Fanny Ruff. Alors les vertus de cette adaptation d'une bande dessinée, Les Hirondelles de Kaboul au cinéma, en animation, elles sont multiples en fait. C'est à la fois d'avoir été fidèle et respecté l'esprit graphique de la bande dessinée, cette espèce de grâce particulière, cette espèce d'estompe comme ça qui raconte quelque chose de très grave en même temps. Et puis aussi d'avoir réussi ce petit miracle alchimique qu'on ne réussit pas toujours quand on passe du côté de l'animation, c'est-à-dire rendre la dimension audiovisuelle réellement créative. Et moi, je travaille beaucoup à la question des voix et l'incarnation de ces personnages. Le casting de voix aussi a vraiment permis d'animer d'une autre façon. Donc c'est à la fois la collaboration d'un studio, puis probablement d'une direction d'acteurs, un Simon Abkarian, un Swan Arlo sont merveilleux dans ce casting, et puis y compris des petites cerises sur le gâteau, comme Michel Jonas aussi qui apparaît. Voilà, tout ça, ça nous a vraiment plutôt convaincus, et puis on n'est pas les seuls, je crois. Voilà pour le gagnant du tout premier trophée de l'adaptation. Demain à 11h, ce sera Vinci Thomas dans La Quotidienne qui vous dévoilera le trophée de l'innovation du confinement. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.